Margot Pubillon, j'étais en Prolac, c'est produits laitiers et qualité, mais c'est plutôt tourné sur le management de la qualité. Et en parallèle, j'étais inscrite au Master Milk, Master Industrie laitière et qualité. Chez Sodial, plus particulièrement dans la branche fromage de Sodial, et plus particulièrement dans la branche qui s'occupe que des fromages AOP et IGP. J'étais au siège de cette branche, enfin, un siège qualité, parce que du coup, c'est managé comme ça, un grand groupe, c'est managé en global. Moi, mon rôle, c'était plutôt la partie qualité client, et donc j'étais en relation avec et les clients donc, externes, et les clients internes qui peuvent être aussi d'autres branches de Sodial qui vont acheter nos produits pour les revendre à leur marque. Puis tous les services et bien sûr les fromageries, les sites industriels, les sites de fabrication, d'affinage et aussi de conditionnement qui sont situés dans toute la France. Et donc le but de la qualité client, c'est la satisfaction externe et interne au global voilà, à travers différentes missions. J'ai plutôt commencé alternant sur des missions quotidiennes, enfin des missions de service pour apprendre à utiliser les outils du pôle, à être plus à l'aise avec la notion de management de la qualité centrale. Et après, on a pu préciser une problématique pour mon alternance, donc d'amélioration continue du pôle. Et là, j'ai pu, avec tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais compris en tout cas dans le fonctionnement, essayer d'améliorer des outils. Je suis allée, j'ai pu me déplacer dans les fromageries pour être au contact des collaborateurs sur site et créer du lien aussi entre la qualité centrale et la qualité sur site. Alors, très concrètement, l'alternance, ce que ça m'a permis, ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus du coup en Excel. Enfin, j'ai pu améliorer mes compétences techniques, mais aussi plus globalement le fonctionnement d'une entreprise. Pour le coup, là, c'est un grand groupe, Sodial, mais vraiment les échanges en interne, tout ce qu'il peut y avoir, les enjeux de la communication interservice pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Je me sens plus sereine pour aborder en tout cas le monde de l'entreprise future et justement plus sûre de ce que je souhaite. À la suite de mon alternance, j'ai eu une proposition d'embauche dans l'équipe où j'étais que j'ai refusée parce que j'avais envie de voir d'autres choses, notamment plus de terrain. Du coup, ils m'ont fait une autre proposition sur site en qualité pour intégrer un de nos sites justement qui faisait des fromages AOP que j'ai également refusé, mais toujours à titre personnel, c'était plutôt pour la localisation que pour le sujet qui avait l'air très intéressant. Donc, actuellement, chaque possible sur le terrain en tant qu'ingénieur, peut-être production, pourquoi pas. Et faut savoir qu'on n'est pas voué à faire de la qualité toute notre vie et justement ça permet de... c'est un peu un tremplin aussi pour aller voir d'autres services. Ce que je pourrais partager, c'est que rien n'est jamais fixé. Si vous vous lancez dans un truc qui vous plaît au jour J, il faut y aller sans se poser trop de questions et savoir qu'on pourra par la suite dévier et trouver quelque chose qui nous plaira mieux si on évolue et quand on aura mûri dans nos choix de vie.